que vous avez aimé les hamburgers? Oui! Le projet Légumineuse est un projet qui a démarré en janvier 2021. Dont le but était d'augmenter la production et la consommation de légumineuses sur le territoire du Perche. Et en fait, on a vraiment fait une étude sur 6 mois d'état des lieux et d'études de marché pour savoir ce qui était produit, sous quelle forme, sous quelle quantité et quels freins il y avait à la production. Et en parallèle, quelle était la consommation sur le territoire, donc auprès du grand public et de la restauration collective. Et de voir ce qui manquait en fait pour relier la production et la consommation. Et c'est comme ça qu'après on a déroulé les actions en voyant ce qu'il fallait davantage développer. Donc il y a eu beaucoup d'actions, notamment de communication et de sensibilisation, avec donc une infographie qui a été réalisée, un livret de recettes, et puis des ateliers cuisine sur les légumineuses qui ont été faites auprès du grand public et de la restauration collective. Et aussi, en fait, il y a eu toute une action sur essayer de trouver quelqu'un qui pouvait transformer les légumineuses localement, parce qu'on s'est rendu compte dans l'étude que c'était quelque chose qui manquait, la transformation notamment en conserve. Je pense que c'est un projet qui est assez innovant, à la fois parce que c'est un projet qui est quand même très concret. Et puis, ce qui peut être aussi difficile, mais on prend tout de suite tous les acteurs de la chaîne, on agit sur tous les acteurs de la chaîne en même temps, donc à la fois les producteurs et à la fois les consommateurs. Et au cours du projet, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait aussi travailler sur la transformation, donc un acteur un peu entre les deux. Donc il y a deux choses, il y a à la fois les ateliers grand public, où on va vraiment on va cuisiner des légumineuses, on va parler vraiment d'un point de vue, de pourquoi c'est intéressant de consommer des légumineuses, mais vraiment avec une approche grand public. Et il y a les formations pour la restauration collective. Donc l'année dernière, il y en a eu deux de 2 jours. Et là, il y a vraiment à la fois une approche théorique et une approche pratique où on regarde plein de recettes, avec des légumineuses. Et il y a des plats végétariens à base de protéines végétales via les légumineuses. Et il y a aussi des plats non végétariens, il y a un petit peu de viande, mais on introduit des légumineuses et ça diminue un petit peu les proportions de viande. Et à l'issue de ça, on a fait justement donc un petit livret de recettes où on a toutes ces recettes et c'est vraiment diversifié. Il y a à la fois des entrées, des plats, des desserts aussi. Et on a un beau retour des cuisiniers qui le mettent en œuvre après. Ils discutent sur un groupe WhatsApp où on voit qu'ils mettent bien en place les recettes dans leur cuisine avec les enfants. Est-ce que ça a changé votre façon de cuisiner? Oh, un petit peu, il faut se mettre aux nouvelles recettes, mais franchement, c'est vite, l'habitude est vite prise. Les difficultés, c'est justement le travail avec les producteurs, puisqu'il y a eu 2 années de récolte assez difficiles. Et du coup, tous font des petites surfaces, parce que aussi, c'est des cultures qui testent. Et ils savent que derrière, il y a un risque à ne rien récolter. Donc pour nous, c'est difficile de travailler avec eux. Et au début, ça a été, on a eu des groupes de travail, on a eu une visite qui s'est faite chez un autre agriculteur dans l'Eure. Mais là, maintenant, pour continuer à essayer de travailler avec eux et à... les motiver, c'est un peu plus difficile. Parce que aussi le contexte fait que les céréales se vendent à un prix élevé. Il y a des choses qui sont plus intéressantes pour eux de faire que de continuer à tester les légumineuses qui sont difficiles à récolter. En fait, on essaye de développer, on aimerait essayer de développer la transformation et la consommation pour derrière travailler plus avec les producteurs et qu'ils voient qu'il y a des choses concrètes qui se passent. Mène des projets et après il y a vraiment un objectif de transférer et diffuser ces projets pour que ce soit pas uniquement à l'échelle du territoire, du territoire du parc, mais sur d'autres territoires aussi qui puissent s'en inspirer et mener des actions parallèles.